Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu, donc c'est le Forest Journey Cards, donc qui est un jeu auto-édité par une artiste canadienne. Il s'agit de Debra Bernier. Donc ce jeu est paru en 2018. Je crois qu'il n'est plus disponible, je crois qu'il n'est plus édité, malheureusement. Ici, je vois qu'il y a la boutique Etsy de la créatrice, mais il me semble qu'il n'est plus disponible sur sa boutique, je suis quasiment sûr. Donc, il était sorti en 2018. Voilà, donc c'est un jeu bien particulier dans le sens où, vous allez le voir, ce sont des illustrations, des photos, des sculptures de l'artiste. Donc l'artiste sculpte et elle a donc pris des photos de ses sculptures et elle en a fait donc un oracle. Vous allez le voir, c'est très spécial et en même temps c'est très joli. Moi j'aime bien, je trouve que c'est poétique et tout ce qui est original de toute façon j'aime bien. Donc hop, on a ici des cartes qui sont vraiment très grandes comme vous pouvez le voir. Elles sont de bonne qualité. Bon, elles sont un petit peu fines pour être honnête, mais elles sont souples, voilà. Alors, la première carte, donc, on peut voir que c'est la même illustration que sur la boîte. Voilà, et on a donc à l'arrière un petit texte sur la créatrice, justement, Debra Bernier, avec ici son site, la boutique Etsy, le Facebook et son email. Je vais vous mettre ces informations dans le descriptif de la vidéo. Je suis pas sûr que tous les liens fonctionnent encore, mais bon, je vais quand même les mettre, vous verrez bien pour le coup. Alors, ce sont des cartes avec des messages à l'arrière. Donc on a le nom de la carte ici, par exemple ici c'est calme. On a la date à laquelle l'illustration, enfin la sculpture a été faite. Et on a un texte, forcément, pour pouvoir interpréter la carte. Donc c'est un message. Et si vous voulez, ce sont des cartes plutôt orientées développement personnel. Voilà. C'est plus pour faire du développement personnel que pour faire de la voyance, par exemple. Ici, forgiveness. Donc c'est le pardon. Celle-ci, vulnérabilité, donc la vulnérabilité. Ici, c'est l'amour, love. Memories, self. Donc, vous voyez ici, c'est pas la même date, 2017. En fait, il y a des sculptures qui ont été faites en 2016, 2017, 2018. Donc, on a à chaque fois la... Et on a le nom de la sculpture, ici Turtle Goddess, donc c'est la déesse tortue. Alors que c'est pas la même, voilà, c'est pas le même nom pour la sculpture que pour la carte. La simplicité. Alors ça c'est la danse. Bon, je vais pas vous montrer tout l'arrière de chaque carte, mais voilà, c'était pour vous donner un aperçu. C'est en anglais, bien entendu, il n'a jamais été traduit en français. Celle-ci est très jolie, je trouve, avec la lumière. C'est la vision. La vraie sculpture s'appelle Illumination. Bon, il fallait y penser, pour le coup. Donc là, on retrouve la même carte... que la carte ici, c'était une carte de présentation. Celle-ci aussi est jolie, je trouve. La famille.
Celle-ci aussi est très belle, je trouve. Donc voilà un très joli jeu qui est vraiment original, hein, comme vous avez pu le constater. Donc c'est par Debra Bernier, et donc le nom du jeu, je vous le redis, c'est le Forest Journey Cards. Voilà. Ah bah ma bougie s'est éteinte, pour le coup, j'ai même pas fait attention. C'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.